Qigong de la femme. C'est une méthode qui est enseignée au début pour Madame Liu Yafi, qui vient du premier centre national du Qigong de Peter, avec qui l'étang du corps collaborait depuis 22 ans, que j'amène chaque année la formation de Qigong et de méditation là-bas. Donc, Qigong de la femme développait trois qualités, donc un corps féminin dans la douceur, dans la subtilité et dans l'intériorité. Aussi, certains massages sur les zones spécifiquement pour la femme. Aussi, souvent, je dis aux femmes, osez s'exprimer votre corps. Osez aussi écouter votre corps. Le corps n'est plus un tabou, il faut laisser communiquer. Tout dans le tibou de la femme, les mouvements sont internes, mais très spontanés, très dans l'écoute et très fluides. Tu vois. Ça révélait ce qu'est l'énergie féminine, dans l'énergie yin. Tu vois. Tout ça, fluidité. Souvent en image, je dis c'est comme... souvent quand j'enseigne le tibou de la femme, je dis que c'est comme le foulard en soie, très légère, on jette en l'air. Ces mouvements de légèreté, ondulatoire, descend dans la douceur par terre. Comme ça divise en quatre parties, il y a une partie qui est très très intime, très dans le massage profond, à une partie plus dans le col vertébral, tu vois, dans tout le mouvement ondulatoire du col vertébral, hein, gauche à droite, spirale, lutte. Mais première partie du corps de la femme, c'est beaucoup dans l'écoute, hein, l'écoute dans la poitrine. Massage des seins, à poser les mains sur les seins. Pour certains, s'il a des problèmes de seins, subir l'opération, vous voulez juste effleurer sans toucher. À sentir la communication de l'aoku, de paume de main, avec le sein de poitrine. Après, on va effectuer le massage en utilisant le mouvement des épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire et inspire. D'extérieur à l'intérieur. Tranchon, tranchon, moyen. Inspire. Expire, inspire, expire, inspire, expire. Et une série de mouvements sur l'abdomen, bien sûr. Et l'utérus. Dans cette partie aussi, il y a quelques mouvements. Pour les gens qui suivent ces vidéos, pour comprendre le tibou de la femme, vous pouvez déjà effectuer ces trois mouvements, ça peut déjà vous faire beaucoup du bien. Donc, deux mains superposées sur l'abdomen, la main droite, main gauche. On va relâcher le bassin, relâcher l'abdomen. Sentir le contact entre l'aoku et le ventre. Le corps s'y penche légèrement en avant. Maintenant, on va inspirer entre le ventre, les mains appuyées, soulevées légèrement. Contact périnée. Expire, relâchez le sacrum, relâchez tout le bassin. Regarde bien le mouvement, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 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 Pour les gens qui ont un peu de problèmes digestifs, inspirez, soulevez le ventre jusqu'au tongue.
tous vers la conception, niveau de l'estomac. Appuyez, expirez. Inspirez. Expirez. Voilà, donc beaucoup de massage, inspire, sur le méridien de foie et vésicule, expire, inspire, expire, 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 inspire, expire. Et puis après, il a quatre mouvements au niveau de colonne, ah, par exemple, colonne balancée, gauche à droite. C'est fluide, l'image que j'ai expliquée tout à l'heure, je compte la femme, aussi. La joie, n'oublie pas, vient de profondeur du corps.